On se retrouve pour une nouvelle carrière, les gars, une nouvelle carrière pro tout simplement. Donc j'ai créé déjà mon pro. On va lancer tout de suite ensemble la nouvelle carrière. Vous allez voir le nouveau pro, c'est pas le même que sur la carrière pro qu'il y avait juste avant. On était au Real de Madrid, c'est un nouveau pro, comme vous voyez, il s'appelle Taylor. Et j'ai signé à Augsbourg, donc voilà. Et là, je vais vous laisser avec la petite cinématique. On va voir ce qui se passe. Et là, on s'entraîne, c'est vraiment beau, les Bon, gars. allez, La allez par là. pelouse, tous les joueurs, ils sont bien Pour faits en plus. commencer, souhaitons la Notre centre bienvenue d'entraînement est aux bien joueurs fait éligibles. aussi. Bon, aujourd'hui, Et c'est à voilà, vous on de est là, faire on votre est preuve pour là. obtenir Ça, les c'est places nous. de Et on titulaire. joue milieu gauche, les gars. Bienvenue. Donc, voilà, un nouveau poste. Assez parlé, les On gars. va voir ce C'est que ça parti. donne. Assez parlé, les gars, c'est parti. Tac. Donc, bien évidemment, on va voir ce qui se passe. Hein. On va voir Allez, ce qui se mec. passe. J'ai choisi d'aller C'est à toi en. de jouer. C'est à toi de jouer. Et ouais. J'ai choisi d'aller en Bundesliga, les gars. Je pense que ça peut être pas mal. En plus, le championnat, il est court. Augsbourg, il joue pas de compétition européenne, il me semble. Donc, c'est plutôt pas mal. On a 0 euros pour l'instant. L'arrivée d'un petit nouveau. Purée, on est déjà là. Même s'il n'est qu'un jeune espoir de 19 ans, Junior Taylor cherche déjà à impressionner. Et il ne cache pas la joie. Tout s'est passé très vite, vraiment. Monsieur le manager m'a demandé de participer à l'entraînement avec l'équipe première. Mes coéquipiers m'ont réservé un très bon accueil. J'ai hâte de débuter et de montrer ce dont je suis capable. Les gars, c'est impressionnant là. Impressionnant, impressionnant. Bien évidemment, j'ai mis français hein, pour jouer avec l'équipe de France. J'aurais pu mettre brésilien ou quoi, mais bon. On va mettre ça pour l'instant. On va mettre parcours de dribble difficile. On va faire les premiers entraînements, bien évidemment. Après, on les simulera sûrement. Après, on va mettre tir. On va mettre scénario offensif. Mais novice, voilà. Parfait. Le plus compliqué, quoi. Et après, on va s'entraîner en passe. Ouais, en passe, ça peut être pas mal. De la tête, semer et centrer. Relayer les passes. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà, donc c'est parti, les gars, pour les trois premiers entraînements. Let's go. Bien évidemment, c'est parti. Hop. En plus, il n'y a plus de chargement entre les. Quand on lance un entraînement ou quoi, c'est magnifique, les gars. C'est fluide, c'est parfait. Allez, on va faire ça tranquillement. Hop, on va le réussir normalement. Parfait. Parfait, ça va. Derrière, on finit. Là, on dribble avec un autre joueur d'Augsbourg. Voilà. Mais par contre, les gars, je m'en. Attendez, je me suis mis buteur ou ailier gauche? Je m'en rappelle plus. Normalement, c'est ailier gauche. Ok, parfait. Voilà. Le deuxième. Là, faut le A, hein, bien évidemment. Faut que ça soit parfait. Comme ça, notre pro, il va augmenter plus vite. Ok, lui, il est plus facile que l'autre. Parfait. Et derrière, la finition. Voilà. Là, on a déjà le A, donc c'est parfait. On va essayer d'avoir la meilleure note possible. Ok, bon voilà. On a le A et on est post-AT. Ouais, va falloir que j'aille changer ça, les gars. Moi, j'étais BU. J'étais milieu gauche, normalement. Ok, ça c'est parfait, parfait. Voilà, première occasion but. Wow, ok, on est bon dribbleur, hein. J'aime bien, là, on a bien dribblé le défenseur. La centre au deuxième, malheureusement. L'attaquant, il l'a pas eu. Parfait. Frappe pied gauche. Bon, sort le goal, dommage. Allez, il faut encore en mettre un. Ça serait parfait. Malheureusement, là, on va même pas attaquer. Oh, bien joué, on a bien repris. Oh, mais derrière, on la perd bêtement. Aïe, aïe, aïe. Et là, on passe pas le 1 contre 1. Je connais aucun joueur d'Augsbourg, les gars. Vraiment. On va découvrir des nouveaux coéquipiers. Là, il me semble que j'ai le B, du coup. Vu que c'est vert comme ça. Et là, on a le A. C'est parfait. Excellent. Là, on passe bien. Oh, dommage. On passe pas le 1 contre 1, là. Allez, on va frapper d'ici. Hop. On s'en fiche. De toute façon, on a déjà le A. Donc, bien évidemment, on peut passer la fin de cet exercice. Voilà.
On passe à l'autre, relayer les passes. Donc là, on va travailler surtout les passes à ras de terre. Hop. Hop. Ok, on peut prendre notre temps carrément, ça c'est bien. Parce que y a pas. Il y a une limite de temps, mais bon. On peut bien prendre notre temps un petit peu. C'est bien ça. Ok. C'est un bon exercice de passe, hein. Ok, parfait. Parfait. Et on a déjà le A. Donc ça c'est parfait. Oh mince, je me suis trompé. Hop, voilà, parfait. On a eu 3A, donc ça c'est magnifique. Niveau supérieur, 9 points de compétence en plus. C'est magnifique. Juste les gars, je vais aller modifier le pro. Parce que du coup, eh ben, c'est le mauvais poste. Tac. Et c'est milieu gauche. Voilà. Là, on est bien là. Donc, bien évidemment. Pourquoi il n'y a pas la barre jaune? C'est dommage ça. Progression joueur. Donc voilà. On va aller voir ce qui nous attend ici. Un atout, on peut déjà en mettre un. Pressing collectif, c'est vrai. On va mettre ça, renard. C'est parfait. Et là, au niveau des points de compétence, on en a 9. Donc c'est plutôt pas mal. On va ajouter de la vitesse. Je pense que c'est super important. Et un peu dans les tirs, hein, un peu dans la finition. Ouais, finition. Voilà, on va améliorer ça. Et on va améliorer les dribbles aussi, c'est super important. Bien évidemment, on est milieu gauche. Donc ça va être les 3 points qu'on va améliorer à fond. On est déjà à 79, à 69 de... Comment ça s'appelle? Dire que vous êtes prêt. Voilà, on est déjà à 69 de général, donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut vite devenir titulaire dans cette équipe de d'Augsbourg. Ça, on connaît, hein, c'est comme sur FIFA, sur la PS4. Donc, on continue d'avancer, bien évidemment. Voilà, on a reçu notre premier salaire, 1600. Hop, activité réservée à un cours de danse. Après, je sais qu'il y a des trucs qui améliorent nos capacités à l'entraînement. Là, comme vous voyez, il y a un bonus d'entraînement. Si on achète un trampoline, donc c'est parti, on va acheter un trampoline. Hop, il nous reste 2000, on va même... Bah non, on peut pas. On peut pas. Donc, tac, on continue, on simule les entraînements. On gagne des points, on continue de progresser. Ce qu'on veut, c'est être titulaire très très rapidement dans cette équipe de Augsbourg. Là, l'entraînement, on simule encore une fois. Tac, niveau 4 déjà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a 3 points de compétence en plus. Donc ça c'est parfait, parfait, parfait. On va aller les mettre là. Il n'y a pas d'entraînement encore, c'est demain. Donc on va améliorer cette fois-ci tout ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc on passe à 70 de général. Ça c'est parfait. On va rentrer en tant que remplaçant, les gars. Donc voilà, on rentre à la place de Vargas en milieu gauche. On gagne 2-0 actuellement face à Côme. Donc c'est plutôt pas mal. Let's go les gars. Contrôler Taylor, milieu gauche. On va essayer de faire un nouveau Vinicius Neymar. Vraiment, les gars, on va jouer technique. Bien évidemment, essayer de marquer, etc. Je pense que je vais changer le numéro de mon maillot. Numéro 11, dès qu'on arrive dans le club. C'est un peu trop facile. On va commencer par un numéro, je sais pas moi, 30, 35, 40. Et petit à petit, essayer de négocier le numéro 11. Là, c'est vrai que ça fait peut-être un peu trop vite le numéro 11. Ok, il y a faute, parfait. Allez, joue court. Bien joué. Bien joué. Allez, hop. Oh, il aurait pu nous la mettre, lui. C'est dommage. Bien joué. Oh, on va prendre notre chance. Bon, c'est contré, dommage. Et non, il y a main. Donc, on a bien fait tirer, bien évidemment. On obtient un pénalty grâce à notre frappe qui a été contrée. Et je sais pas c'est qui le buteur. J'espère qu'il va marquer. Et il marque 3-0 face à Côme. Il reste 7 minutes les gars. Donc on rentre. Et grâce à nous, il y a un pénalty. Et derrière il est transformé. Donc c'est magnifique. 3-0 face à Côme. Let's go. Bien joué. Bien joué. Pour l'or. Bon là les passements de jambes ils sont pas passés malheureusement. Mais bon, petit à petit, les gars, plus on va progresser, plus notre joueur il va être trop fort. Hein. Ça va vraiment être une régalade. Et lui, il fait une passe à l'adversaire, il est bourré. Purée.
Allez, lui on l'a, il va pas se retourner. On va le laisser à ceux dans l'axe maintenant. Allez, le latéral droit là, faut Récupération du ballon. récupérer. Le centre ne Bien trouve pas sa joué. cible. Alors l'arrêt de Ok, il jeu y a un joueur qui corrigé sort. Il y a finalement. beaucoup de drapeaux hein, des supporters là. C'est Et des encore une ultras ou fois, le quoi? ballon est contré. Bien joué, magnifique. Allez, on Et a. nous voilà dans les 5 dernières Parfait. En plus, minutes. les gars, sur Club Pro, moi je suis habitué à jouer milieu gauche. Taylor. Donc ben, là, c'est parfait, hein. C'est carrément mon poste. Et c'est le moment de Et là, décider. centre au deuxième. Et oui, Ah voilà. là J'ai là pas là voulu là. tirer pied gauche. J'ai pas voulu tenter ma chance. Et un lourd J'ai coup de centré sifflet au deuxième poteau. encore. Et Plus l'attaquant, il a 4 repris le minutes centre à jouer. parfaitement. Du coup, 4-0 et une passe Il va décisive finir pour la nous dès tête ce notre première ballon. entrée en jeu. Il est parti à Donc, l'attaque. les gars, bien Meilleur évidemment, on ailier va du monde marquer des points mondial dans actuellement la et tête de ballon dans les l'entraîneur. bras Ça, d'un c'est joueur. magnifique. Et avec ce but, le C'est une score est scellé. superbe performance qu'on Bravo. fait. En moins de 10 minutes, on fait déjà une passe D. C'est parfait, parfait, parfait. Après, c'est Côme, c'est une équipe de série B italienne, il me semble. Nous, on est quand même en Et on passe à Bundesliga, donc il y a Fabregas. une différence d'écart. Ouais, c'est contré en Enfin, bonne une défense. division de différence. Ouais, c'est récupéré très haut, ça. Et ça se voit, hein. Ça se voit, ça se voit là avec ce 4-0. Bien joué. Hop là, la petite Oh, aile de quatrième minute, ça commence à pigeon. jouer dans le temps réglementaire. Ok, parfait. Non, les gars, j'aime trop déjà là, j'aime trop. Milieu gauche comme ça. Oh oui, ça c'est parfait. Avec une bonne progression dans le camp Ok, adverse. faut pas la perdre. Magnifique. On joue très très bien. Ah, il faut prendre un On petit temps joue de jeu. très très Il faut prendre un bien. petit temps Dommage de qu'il n'y jeu. a pas eu but. Ça aurait fait 5-0. Ça aurait fait quand même un gros score. Boum, frappe de Oh! loin. Malheureusement, elle est contrée. Bien joué. Ok, la petite feinte de frappe sur place qui sert à rien, mais bon, on l'a fait quand même. Bien joué. Boum, centre à Et quelle terre. Dommage interception que sur je trouve l'intérieur du personne là jeu. sur mon centre, parce que c'était quand même assez bien joué. Allez, pourquoi pas la récupérer, avoir une petite dernière occasion. Non, malheureusement, Magnifique, le ballon on n'aura récupéré pas de très haut. dernière Et occasion. voilà, Bon, victoire 4-0, on rentre en jeu, on fait une passe D. Et en plus de ça, on obtient un penalty. Donc les deux buts, c'est quand même grâce à nous. C'est magnifique. Leicester qui gagne 3-0, Leeds, Southampton. Mais après, les clubs italiens qu'il y a, c'est des clubs de série B, vous direz. C'est dommage. J'espère qu'on va jouer une grosse équipe, hein. On va jouer un Leicester ou un Leeds. Ça sera intéressant, ça. Et on va jouer face à Frosinone. Bon, écoutez, écoutez, écoutez. Si on joue contre eux, c'est pas très très grave. On va s'améliorer. Au niveau des points de compétence, on va aller les mettre tout de suite dans la vitesse. On va les mettre, ouais, la vitesse. Hop, parfait. Il nous en reste un. On le mettra plus tard. Donc là, on va aller jouer face à Frosinone. On rentre à la 76e minute de jeu, donc il reste 15 minutes. C'est parti. On va donner le meilleur de nous-mêmes, Et ce qu'on essayer fait d'être encore ce match, on en décisif. profite pour Encore marquer une un fois, ça ballon. pourrait être pas mal. L'idée, c'est Et en d'écrire plus, une on rentre à différence Old entre Trafford, les les deux gars. C'est un truc adverses. de ouf. Terrain La commun. pelouse, elle est magnifique. Les gradins aussi. C'est un truc de ouf. Allez, faut faire la différence là. Il y a 0-0. Oh, comment ça, on fait 0-0 face à une équipe de série B? Oh, C'est dommage, dommage. je Je pensais pensais que que ça passait ça devant. aurait été passé. Mais malheureusement, non. Ce n'est pas passé. Bien joué, ça. Le ballon sort en touche. On gagne la touche. Derrière. Voilà, on perd pas la balle. Parfait. Parfait. Taylor. La prise de balle aussi. Nous assistons à un moment décisif dans ce match. Oh, La il y avait un truc à 16e faire minute là. quoi. Dommage, il nous l'a pas mise. Hop là, pour le deuxième poteau. Ah, c'est une Oh, meilleure dommage. anticipation. La Il a passe mal est joué le coup, parfaitement lui. coupée. Il aurait pu soit Et frapper, une soit faire une occasion pour meilleure passe. Ranocchi. C'est dommage. Toujours 0-0. Faut pas oublier qu'il faut gagner ce match, hein. Faut pas faire de match nul ou Et de le tir défaite. Et les gars, on se prend le premier but de la rencontre à la 81e minute de jeu. est terrible On pour perd 1-0 face à l'Ajax. Frosinone. Irremplaçable, Aïe, 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 l'Ajax aïe, qui aïe. Allez, on va s'impose. essayer d'aller faire des différences. Et bien là, avec ce but, Bien c'est évidemment, capital. ça va être compliqué, mais bon, on Et peut, ce on but le sait. crucial, Oh, il mais risque le de buteur, il revenir fait pour quoi? la victoire, mais Il fait cette fin de n'importe match quoi peut là. encore nous réserver des surprises. Bien joué. Allez, mon gars.
Allez, ne perds pas la balle surtout. Bien joué. Le temps passe, le chrono tourne, mais l'égalisation peut être... Oh là là, le centre il est parfait, mais bon, moi je m'impose pas. Et derrière, on ne s'impose pas non plus. Allez, faut au minimum le match nul là. Bien joué. Ok, ça c'est parfait. Oh là là, l'action les mecs. Non, pourquoi je fais ça derrière? Pourquoi je prends pas ma chance? Oh non, il est timide mon perso ou quoi? Les gars, j'aurais pu essayer de tirer. Pourquoi j'ai pas essayé? Et le latéral gauche, et il est lent. Soit c'est Moreau qui est rapide, le joueur de Frosinone, mais je pense pas qu'il est ultra rapide. Il a mis une vitesse à notre latéral gauche là, impressionnant. Allez. Allez, on a bien joué. Let's go, on y va. On s'arrête pas. On s'arrête pas. On est quand même assez rapide. Oh, on passe pas. Ah, purée. Il reste que 2 minutes, les gars. Je pense pas que ça va le faire. Hein. Je pense pas, je pense pas. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Les gars, attention. Attention, bien joué. Oh, c'est quoi ça? Applique ta passe, là. Il reste 1 minute de temps additionnel. Ça va être extrêmement chaud d'égaliser. Mais on peut le faire. Allez. Enfin, si on va vers l'avant, bien évidemment, parce que si on joue comme ça, il va pas nous laisser le temps, l'arbitre. Et je suis hors jeu. Oh, il a sifflé faute. Parfait. Joue dans les pieds. Magnifique. Parfait. Oh oui. Non. Pourquoi il perd la balle, lui? Oh purée, c'est dommage. Bon, défaite face à Frosinone, du coup. On est sur une victoire, une défaite. Bon, après, c'est un match amical, ça va, c'est pas dramatique. Comme ils ont gagné 3 face à Parma. Ah ouais, quand même. Allez, nous, faut absolument, les gars, que... On joue contre qui, là? J'aimerais bien jouer une grosse équipe. Et on va jouer face à Parma, purée. Moi, je voulais jouer face à Leeds ou Leicester. Mais bon, malheureusement, on va jouer face à Parma. Normalement, la victoire, elle est obligatoire, là. On est largement au-dessus. Donc, c'est parti. On rentre à la 82e minute de jeu. On gagne déjà 1-0. Mais bon, il faut faire une différence. On va affronter Gianluigi Buffon, les gars. Ça va être incroyable. Gianluigi Buffon. Bien évidemment, il joue à Parme. Et on rentre encore ici à Old Trafford, les gars. Ça sera pas toute la saison qu'on va jouer à Old Trafford, hein. C'est même la seule fois de la saison. Et je pense qu'on va faire toute la saison avec Augsbourg. À part si peut-être au mercato hivernal, on reçoit une bonne offre. On verra ça. Mais bon. Je pense qu'on va essayer de rester à Augsbourg et progresser un maximum. Là, la transversale, elle est magnifique. Il nous la remet. Parfait. Le contrôle aussi. Ça, c'est parfait. Parfait. Oh là là, c'était une belle action. Dommage. Et Gianluigi Buffon, les gars, on joue contre une légende du football. C'est sûrement le plus gros adversaire qu'on va affronter. Hein. Et que là, on a affronté dans cette pré-saison, c'est sûr, c'est lui. Bien joué. On a bien fixé. Oh, dommage derrière. Boum. La frappe. Oh là là, c'est arrêté par Gianluigi Buffon. Dommage. On aurait pu marquer notre premier but. Mais bon, c'est pas le cas. Allez, centre au deuxième. Ah, ça va pas jusqu'à lui. Purée. Allez, là, faut récupérer, mon garçon. Oh. Oh, les gars, faut récupérer, là. Purée. Tout en bas. Ben, c'est mon joueur, ça, de base. Mais bon, j'avais coulissé. Merci, gardien. On va pas se prendre de but. On va rester sur une victoire, s'il vous plaît. Ce serait pas mal. Ouah, mais c'est quoi ça? Pourquoi il s'applique pas, lui? Oh. Par contre, il va falloir... Oh oui, c'est à côté. Magnifique. Va falloir que j'apprenne les noms et les prénoms de mes coéquipiers. Hein. Là, j'en connais aucun pour l'instant. Donc, va falloir faire quelque chose pour les connaître. Bien joué. Oh, mais pourquoi? Mais lui, il est nul, les gars, avec les crampons blanches, là. Ça fait 2 passes chelous qu'il fait, où il n'y a personne. Il abuse de fou. Et là, la passe, elle est magnifique. Bien joué, gardien.
Parfait. Allez, ça c'est pour moi. Voilà. Nickel. Nickel. Parfait. Oh là là, je me suis pris un mur. J'ai cru que mon joueur il était blessé carrément. Non, 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 non. On se prend un but à la 90e minute de jeu, les gars. Il y avait la nouvelle cinématique, enfin la nouvelle, sur PS5. Quand il marque un but à la dernière minute et tout le monde va célébrer avec lui. Ça serait bien que ça nous arrive aussi. Donc là, faut aller marquer absolument. Et là, c'est magnifique ce qu'on a fait. Mais bon, derrière, on n'est pas aidé. Nos coéquipiers, ils viennent pas. Aïe, 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 bien joué. Mais bon, il y a touche pour eux. 90e minute de jeu, il n'y a qu'une minute de temps additionnel. Si on récupère la balle, en vrai, on peut avoir encore une occasion. Mais bon, je pense pas qu'on va la récupérer. Ça, c'est dommage. Et si en vrai... Non, en vrai, on n'aura pas l'occasion, on n'a pas le temps. Un partout, du coup, on a fait une victoire avec une superbe rentrée, un penalty obtenu, une passe décisive, un match nul. Non, une défaite d'abord. Une défaite qui n'est pas trop méritée. Et ensuite, là, le match nul où on n'a rien fait aussi. Hein, on est rentré, on gagne 1-0. Et malheureusement, ça se termine sur un... Sera un partout, progression joueur, tac, on va progresser dans les dribbles, on va continuer d'améliorer ça, hop c'est parfait, on va améliorer ça aussi, 72 de général carrément, on a pris deux niveaux d'un coup, ça c'est parfait les gars, on va faire un match je pense, enfin on va commencer la Bundesliga et on commence face au Bayern Munich, directement. Ah ouais, les plus forts d'Allemagne dès le premier match là, ça fait très très mal, mais bon, c'est comme ça, c'est le foot, donc ok, bon, c'est parti, hein. c'est parti, let's go, on va voir ce qu'on vaut au niveau de l'entraînement, on n'a pas fait nos séances en plus, voilà, là on a fait plus 139, ça dit quoi là, il n'y a pas la barre jaune là en dessous de remplaçant, ça me stresse. Donc là, on va jouer face au Bayern Munich, le plus grand match de la saison, hein, tout simplement. En plus, c'est chez eux. Après, on peut les surprendre. Là, on fait 0-0 à la 80e minute de jeu. Donc, on peut tenir le match nul. Si on tient le match nul face au Bayern, c'est magnifique. En face, il y a du Ben Yedder. Ben Yedder, Müller. Ils ont recruté Ben Yedder. C'est un truc de ouf. Bon, c'est parti, les gars. Premier match de la saison officiel. En Bundesliga face au Bayern de Munich pour Taylor Junior. Taylor qui rentre à la place de Vargas. Oh là là, il est beau le maillot blanc. J'aime bien. Allez, faut qu'on tienne les gars. On va passer plus de temps à défendre qu'attaquer là. Kimmich. Oh là là, les gars, là on joue contre des grands joueurs de ouf. Oh là là, ça va vite. Ça joue en 2-3 touches. Ah non, c'est un truc de ouf. Ok, nous on rentre en jeu et comme par hasard, notre équipe elle tient 81 minutes, on rentre, on se prend un but. Bon, ouais, FIFA ils sont pas trop sympas là, but de Ben Yedder en plus, 83e minute de jeu, c'est un truc de ouf. Allez, on va essayer de travailler Benjamin Pavard. Bon, ok, on passe pas, en 1 contre 1, c'est dommage. Oh, on passe pas les deux fois contre Benjamin Pavard, là j'ai même pas le temps de contrôler. Il est chaud le Ben Pavard. Bien joué. Oh, au deuxième. Non, je l'avais vu au deuxième. Pourquoi il s'est en allé? Oh, c'est dommage. Bon, attention. Bien joué. On a contré. C'est bien joué ça. Oh non, ça c'est mal joué par contre. Ouais, il faut que je cherche mes coéquipiers. Là, j'ai joué trop perso. C'est pas bon ça. Bien joué l'interception. Magnifique. Fribourg qui égalise face à Mönchengladbach. Oh là là les gars, là je le sens bien joué défenseur central. Par contre, wesh, l'appel de passe, il était pas trop obligé. Hein. Oh là là, et ça on l'a pas demandé là, il nous a mis dans la galère. 86e minute de jeu. Il reste 4 minutes les gars, où on peut-être égaliser contre le Bayern. Hein, même si ça va être très très chaud. Et là, on se prend le deuxième but en plus.
Donc à mon avis c'est mort, on va pas égaliser. C'est dommage. Ouais, ils abusent FIFA, ils font la célébration avec les supporters. Ouais, ils abusent de ouf. Ils ont mis l'entraîneur qui vient tout ça pour le premier match de la saison. Juste pour un but à la 87e, là, c'est un peu abusé, mais bon. On va laisser le Bayern exprimer sa joie. Hein. C'est normal qu'on perde en vrai de vrai, là, face au Bayern. 2-0. Bon, ça va en vrai de vrai, on s'est pas pris un gros score. Mais bon, c'est quand même relou. Mais bon, plus grosse équipe d'Allemagne, on va rien dire. C'est un peu normal de perdre. Par contre, les prochains matchs, il faudra gagner des points absolument. Ça va être compliqué, mais bon. Avec Augsbourg, je pense qu'on peut viser le top 10 de Bundesliga assez facilement. Et peut-être, pourquoi pas, avoir une place en Europe. Hein. Une place en UEFA Conference League ou en Europa League. Ça, ça serait un point pour que je reste dans ce club la saison prochaine. Même si je pense pas. Hein. Vu comment on progresse vite en plus. Je pense qu'on va changer de club dès l'année prochaine. Ou comme je vous ai dit, au mercato hivernal. Par contre, le club où on va aller au mercato hivernal, on restera la saison d'après. Bien joué, la récup. Hop. Oh, mais oh, pourquoi il ne nous l'a pas mise? Oh, c'est dommage. Oh, on jouait bien, là. Purée. Dommage que ça donne rien. On allait avoir une bonne occasion. Plus une minute de temps additionnel. Donc, il n'y a plus rien à jouer. Hein, le Bayern, je pense qu'ils vont conserver la balle bien comme il faut. Malheureusement, on peut rien faire. Allez, les gars. Ok, non, malheureusement, ça passe pas. Donc, défaite 2-0 face au Bayern Munich. Bon, après, en soi, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, c'est la meilleure équipe d'Allemagne. Donc, faire un match nul contre eux, c'est pas du tout... une défaite face à eux, c'est pas du tout un échec ou quoi. Et se prendre que 2-0, ça va, en vrai de vrai. Donc... mauvais match, on va remercier du soutien, hop, on est nouveau, on va pas commencer à se faire trop un esprit solitaire non plus, hein, on va essayer d'être avec l'équipe, tac, ici on simule tout, on atteint le niveau 7 déjà, 3 points de compétence encore une fois, on va attendre avant de les mettre, on va rentrer face à l'Union de Berlin, tac, à la WWK Arena, donc ça c'est notre stade, on est à domicile. Les gars, j'espère que l'équipe elle est en train de gagner là. J'espère. Et on gagne 2-0 face à l'Union Berlin. Il y a Emer Valencia là-bas, il y a Baker, et il y a quelques joueurs, ok. Berisha, il a mis un doublé. Nous, on rentre à la place de Vargas encore une fois. C'est parti, on gagne 2-0. On fait notre première rentrée à domicile. On gratte encore 10 minutes de temps de jeu, donc c'est plutôt pas mal. C'est magnifique les gars. On rentre à domicile, voilà, ça c'est notre stade. C'est chez nous, avec Augsbourg. Let's go, les gars. Let's go, let's go. Milieu gauche. Tac. Allez, il faut faire une belle différence. Et la caméra, elle est un peu plus haute, on dirait, que tout à l'heure. La pelouse, elle est belle, les gars. C'est beau, hein. C'est vraiment beau, vous. Dommage. Je sais pas si elle aurait pu être magnifique. Allez, j'aime bien, en vrai, Augsbourg. Hein. J'ai choisi aléatoirement, les gars. Parce que je voulais aller en Bundesliga sûr. Après, le club, je sais pas. Et voilà, hein. C'est parfait. C'est pas un club trop élevé. Franchement, parfait. Mais bon, là, faut voilà, stopper cette attaque de l'Union Berlin. Bien joué. Bien joué, ça, magnifique. Ah, dommage, on passe pas. Dommage, purée. Allez, lui, il l'a. Ça, c'est parfait. Oh, c'est quoi, ça? Purée. Savic qui signe à Arsenal. Purée. Bonne recrue de la part d'Arsenal, en vrai de vrai. Hein. C'est un bon défenseur central. Bien joué. Voilà, c'est magnifique. Et oui, les gars. Oh non! On n'a pas le droit de rater cette passe. Aïe, aïe, aïe. Purée, dommage. Non, tout en bas, ben oui.
Allez, faut que je fasse le retour là, je viens de rentrer. Mais on est frais. Bien joué. Reviens à ton poste. Par contre, je suis mal placé à chaque fois. Ils disent reviens à ton poste, reviens à ton poste. Faut que je fasse attention. Allez. Faut récupérer. Attention à cette attaque de l'Union Berlin. Ça serait bien de ne pas se prendre de but pour ce deuxième match de Bundesliga. Bien joué les gars, magnifique. 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 Allez, on y va. Allez, on y va. On n'est pas le plus rapide, mais on peut y aller. Boum, frappe pied gauche, dommage, purée. Le gardien, il arrête notre tentative là. On aurait pu marquer notre premier but de la saison, de notre carrière même. Oh, ça c'est bien joué de notre part. Oh, ça c'est très bien joué. Dommage, le centre après. Ici. Bien joué. On est en forme là. Là, on est en feu. Ah, là, faut nous faire la passe, les gars. Et le buteur, on sait pas ce qu'il a tenté, mais bon. C'est dommage. En tout cas, on est en feu. Une bonne action. On aurait pu marquer notre premier but, mais bon, malheureusement, va falloir attendre encore un petit peu. Ça sera pas dans ce match, à mon avis. Magnifique la parade du goal. Et après, derrière, au niveau dribble, franchement, on est plutôt pas mal. Allez, faut pas se le prendre, le but. Bien joué, gardien. Il est chaud, il est chaud. Magnifique. Et là, il y a leur gardien. Attendez, je veux voir mon pro de près quand même. Attendez. Tac, il est où notre pro? On va faire tous les joueurs, tac. Et on va regarder. Il est là, voilà, Taylor, les gars. Hop là. Voilà, parfait. Les gars, c'est notre pro. Ça sera sur la miniature. Magnifique. Et là, la contre-attaque, on peut pas y aller. Et... non, pourquoi ici? Il n'y a pas de goal en plus. J'allais marquer mon premier but de la carrière. Oh non, j'ai la rage. Oh, j'ai la rage, j'ai la rage, j'ai la rage. Bon, tant pis. On espère que ça sera dans cette, enfin, le prochain match. Je sais pas c'est contre qui. On va voir ça ensemble. Au niveau des entraînements, il faut que j'attende encore un jour. Activité, mauvais match encore une fois. Mais ils vont nous dire que ça. On remercie du soutien. Hop, en même temps, j'ai même pas fait les objectifs. Mais bon, en même temps, ils demandent des objectifs compliqués. Quand on a que 10 minutes de jeu, les gars, c'est compliqué de le faire. Là, on va jouer face à Hoffenheim à la Pré-Zéro Arena. Dernier match de cette vidéo, d'ailleurs, les gars. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est 8e de Bundesliga. J'espère que avant qu'on rentre en jeu, bien évidemment, on gagne. Est-ce qu'on améliore les passes, les tirs ou la vitesse? On va améliorer la vitesse encore un petit peu. Et on va améliorer les centres. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Tac, du coup, Hoffenheim, ils sont 15e, ils ont qu'un petit point. Les gars, on peut en profiter normalement. Est-ce qu'on a fait les entraînements? Non, on n'a pas fait les entraînements. En plus, il reste 15 jours. Hop, parfait. Et donc, c'est parti pour le dernier match de cette vidéo face à Hoffenheim. Et on perd 2-1 pour l'instant sur un but de Dabur et Dolberg. Nous, Berisha, il a encore marqué, il est inarrêtable. C'est parti, on démarre ce match. Enfin, on rentre en jeu, bien évidemment. Ici, à Hoffenheim, les gars, il faut prendre l'avantage ou au minimum égaliser encore une fois. Ça serait parfait. Wesh, il y a une pub pour Lidl. Les gars, je savais même pas. Allez, c'est parti. Accélération, la pelouse, elle est belle, on va vite, il pleut. Allez, ben oui, magnifique. Magnifique. Oui, première passe décisive, les gars. En match officiel, c'est notre première passe D. C'est magnifique. Voilà, pardon, les gars. C'est magnifique. On rentre en jeu dès la contre-attaque sur corner. On fait une passe décisive pour le buteur. Et deux partout dans cette rencontre face à Hoffenheim. C'est parfait, les gars. Parfait, 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 parfait. Magnifique. Trois matchs, enfin trois rentrées en Bundesliga et on est déjà décisif à 19 ans et dans un nouveau club, les gars. Franchement, c'est compliqué de le faire et nous on le fait. Donc, première passe D. On espère que ça sera pas la dernière, hein. Bien évidemment.
Et maintenant, on attend le premier but aussi. Ça serait bien que là, on marque le but victorieux dans cette rencontre. Vers la fin du match, ça serait magnifique. Bien joué, gardien, magnifique. Parfait. Allez, 83e minute de jeu. Corner pour eux. Attention, hein, s'ils perdent la balle, il y aura encore une contre-attaque. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le but, là. Bien joué. Allez, on y va. Encore une accélération. Pourquoi pas. Quoique là, ça va être chaud. On élimine le premier. On élimine le deuxième. Allez, tout en bas. Hop, oh là là, c'est magnifique. Il est pas hors jeu. Ouais, si, il est hors jeu, je me disais aussi. Purée, 85e minute de jeu. Il reste 5 minutes pour faire une différence. Et prendre les devants dans cette rencontre. Allez, il faut absolument, absolument, absolument gagner. Attention à Dolberg. Ouais, il a fait une bonne passe. Ah non, il y a faute pour nous, parfait. Allez, let's go, on y va. Faut aller attaquer là. Bien joué là, le jeu en triangle. Parfait. Oh oui, au deuxième, il a bien centré, dommage. Il y a un défenseur d'Offenheim qui a repris la balle devant nous. Aïe, aïe, aïe. Allez, on vient décrocher. Accélération. On la glisse, la frappe et le but. Magnifique, les gars. Oh là 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 là. Mergim Berisha qui met un doublé dans cette rencontre. Il n'y avait que 30% de chance qu'il marque. Purée. Mais ouais, il a quand même marqué. C'est magnifique, les gars. En plus, c'est notre deuxième passe décisive du coup. 4 buts en 3 matchs pour lui. Et il est vraiment fort, Berisha. Hein. C'est un bon attaquant. Franchement, lui, on va bien s'entendre. Deux caviars distribués dans cette fin de match face à Offenheim. On perd des 2-1. On rentre. On fait 2 passes D. On gagne 2-1 pour l'instant. Donc pour l'instant, on a les 3 points. Et notre entrée, elle est très très importante. Parfait, ça en plus, on gagne le duel de la tête. Ok, parfait. Une petite passe. Oh, je vais un peu trop vite. Ouais, qu'est-ce qu'il a tenté lui? Et en plus, ils me disent, demande la passe, il démarquait. Alors que lui, il tente un truc de ouf et c'est complètement de sa faute si la passe n'avait pas venu jusqu'à moi. Ils abusent un petit peu la FIFA. Bien joué. Oh non, attention à ce genre de relance. Et moi, je joue milieu gauche, je viens dans l'axe. Je suis un ouf. Reviens à ton poste. Bah oui, effectivement. Ok, on gagne le duel de la tête. Parfaitement. Parfait, les gars, parfait. En 10 minutes, on a renversé la situation. On perd des 2-1, on gagne 3-2 au final. En Bundesliga, il y a énormément de buts. Et là, c'est ce qui s'est passé. Nous, en plus, on est décisif 2 fois d'affilée avec 2 passes décisives. C'est magnifique les gars, superbe victoire pour clôturer ce premier épisode de la nouvelle carrière pro. C'est parfait, entraînement, hop, on va les faire ensemble bien évidemment. Tac, au niveau de la progression, on va mettre des petits points de compétence en geste technique, ouais, ça peut être pas mal. Hop, comme ça on a 4 étoiles les gars, et ça c'est parfait, 4 étoiles de geste technique. Donc après, on continue, on est 5e de Bundesliga. C'est extrêmement bien. Là, on va simuler la dernière journée de Mercato. De toute façon, on n'est pas sur la liste de prêts, on n'est pas sur la liste des transferts, donc il n'y a pas d'offre qui devrait arriver pour nous ou quoi. Donc prochain match dans la prochaine vidéo, ça sera face à Leipzig, les gars. Oh, j'ai peut-être loupé une semaine d'entraînement, moi. Je suis bête. Du coup, ça freine un peu... La progression du joueur, mais bon, pas trop non plus. Donc ça va. Donc prochain épisode les gars, match face à Leipzig, Bochum, Mönchengladbach, Dortmund aussi sûrement, Stuttgart. Enfin on verra, hein. Sûrement on sera encore en plaçant. Donc on jouera que les fins de match, donc on va voir combien on fera de matchs. Tac, on va regarder le classement. Du coup là on est 8e. On a une journée de retard, donc si on gagne face à Leipzig, ce qui va être très compliqué, on passe devant eux et on peut passer 9e égalité avec Leverkusen et Union Berlin. Ça, ça serait magnifique. Tac, après, ouais, de toute façon, on ne joue pas le reste.
Donc voilà les gars, pour le premier épisode de cette nouvelle carrière pro, on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!